Alors, pour faire le PDF au départ de tous les documents du livre, bon, c'est pas dans le menu fichier exporter PDF que vous allez trouver ça. Il va falloir activer tous les documents qui composent le livre là. Et là, vous aurez dans le menu de la palette livre quelque chose qui s'appelle exporter livre au format PDF. Si vous n'avez qu'un document ouvert, vous n'avez pas l'option. Exporter livre au format PDF. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir tous les documents de la palette livre activés. Et là, vous avez l'option exporter le livre au format PDF. Donc, livre 1.PDF dans ce cas-là. Alors, je ne vous demande pas d'entrer dans le détail et de convertir à l'exportation les images en CMJN. Quoique c'est d'office réglé comme ça, tiens, dans ce document. Convertir vers la destination. Ça va être d'office un PDF CMJN, en fait. Si je vais dans la partie ici, sortie des options du PDF. Partie sortie, convertir vers la destination CMJN, lequel? Foreground 39, voilà. Au niveau de la compression. Les images qui sont à plus de 300 dpi vont être ramenées à 300. Ce serait pas mal que, normalement, si on voulait faire super bien les choses, qu'on soit en échantillonnage et pas seulement en sous-échantillonnage. C'est-à-dire les images qui sont au-dessus de 300 dpi sont ramenées à 300. Celles qui sont en dessous sont également ramenées à 300. Pour les images, voilà, échantillonnage à 300 pixels par pouce. Voilà. Bon, en tout cas, prenez les options du PDF qui se proposeront à vous et vous pouvez faire le PDF à ce moment-là. Il indique qu'il y a du texte en excès parce que j'ai pas bien géré les choses. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé pour l'examen de juin? Je vous explique maintenant.